Salut les amis, alors on est parti pour une descente de l'arrivée du télésiège de Thiers et du départ de l'aiguille Croche. Donc on va se faire une descente avec Mathias, sa VTT et VTT AE, tous les deux avec les pneus cloutés. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Par contre je pense que je vais pas trop parler parce qu'il y a des coups de vent par moment et vous entendrez rien du tout. Donc ça sert à rien que je parle et que je me déboîte la mâchoire en passant. Donc voilà, on va être parti pour une petite descente au Contamine-Montjoie, une grosse descente. Voilà les amis, toujours avec le Giant Fully Zero Pro 2018. Allez, on va être parti. Fais gaffe hein. Ah, je suis dans un endroit mou. Voilà les amis, on est parti pour la descente. Eh, oublie pas de mettre une grosse vitesse. Mais une vitesse un peu plus grosse. T'as vu comme ça bouge? T'as l'impression que t'as les roues qui sont voilées. C'est tout bon? Ok. Wouhou! Pas trop crier pour les avalanches. Hein. Alors je me méfie parce que il y a des endroits qui s'enfoncent et d'autres endroits qui sont durs et on peut pas les deviner. Donc je fais attention. Ça va? Donc là on continue à côté et après on revient sur la piste. Vas-y, plante-toi pas de chemin hein. Au moins ce qui est bien comme il est devant, c'est que je vais voir les endroits qui sont mous. Oh. Vous avez vu comme c'est beau les amis? Les virages tout en douceur. On est descendu ce qu'on a mis en 3 minutes. On a descendu ce qu'on a mis à 2 heures à monter. En 3 minutes. Hein Mathias? On a mis 3 minutes à descendre. Parce qu'on a mis 1h30, 2h à monter, 3h à partir là-bas. 3 minutes. Wouhou! Riba, riba, riba! Alors là, c'est en dévers, faut faire attention. Hop, voilà, ça va. Vous avez vu un petit peu comme le vélo il bouge avec la vitesse. Alors là, hop, putain. Attends, hein. Alors là, faut qu'on aille prendre le chemin là-bas. Là, on est en dévers, donc je fais attention. Alors certes, je vais un petit peu moins vite que le collègue, hein. Mais bon, avec mes problèmes de santé, si je tombe, c'est catastrophique. C'est pour ça que j'ai mes grosses protections. Mais je m'amuse tout autant. Voilà, attention aux traces de motoneige. Voilà, il a pris le bon chemin. C'est très bien. Oh là là. C'est vraiment piège les canons à neige parce que on a. Oh là. On a, si vous voulez, une couche de neige qui est limite glacée. Et après, on se retrouve. Avec quelque chose de très mou, on s'enfonce d'un seul coup. Donc faut vraiment se méfier, hein. C'est pas évident. Et c'est tellement fun.
Là, j'étais en train de regarder pourquoi le moteur tourne pas, mais c'est normal, je suis à 32. Ah, ça y est, il tourne. Ça va, vieux? 4 minutes pour descendre. 4 minutes pour tout descendre. Ça va vite, hein? C'était bien, hein? J'avais peur que tu prennes pas le bon chemin. Parce que je me suis dit là, si on se plante, bonjour. Alors là, faut que je réfléchisse deux secondes. Faut qu'on aille tout droit et qu'on reprenne le chemin à la piste verte. Je pense que je vais démarrer une nouvelle vidéo. Comme ça, ça mettra. Tu t'arrêtes? Oh putain, c'est mou là. Quand ça commence à bouger avec la vitesse. Comme ça là, ouais. Et tu devais aller vers la droite. Ouais. Ah oui, bah on dévers. Ça, tu pars comme ça. Ouais, mais on s'en est pas mis. Voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.